Tu veux conduire? Allez, je te fais tellement confiance, mon Fab, je te laisse conduire le Hummer. Vas-y. Vas-y. Non, c'est... Bon, c'est la vie. C'est la tradition chez les Montazac. Bon, je t'ai cassé la vitre. En fait, j'avais pas envie, si tu veux. Ah, ok. Qu'est-ce que je fais? Bah, rien du tout, il faut que tu montes. Ok. En fait, en gros, j'avais pas envie d'utiliser la poignée. Je voulais faire un peu comme dans les films, mais je pensais pas qu'avec le coup de poing, ça allait casser un stand, tu vois. Genre, vraiment, je pensais. Ouais, bah, pareil, c'est ça. J'ai voulu faire un peu le rigolo, quoi. On a détruit la caisse. Hein. Non, franchement. C'est un rien. Avant de partir, attends que le. Oui. Il ferme juste. Oui, histoire d'être sûr, bien sûr. C'est bon. Pardon. Ok, je vais quand même répondre, en... Oui. Moi, je dis, je suis pas chaud pour Henriette. Elle est, si elle est... Ah, doucement. Mais doucement, non, mais écoute-moi bien, Fab. Il faut que tu la convainques de te vendre ça pour 10 balles. Et on revend ça 100. Ouais, mais... Bah si, mais quel est le problème? Mais est-ce qu'il faut qu'on la voie pour en parler? Viens, je l'appelle. Attends, je l'appelle. Vas-y, appelle-la. Vas-y, je l'appelle. C'est bon. Tu me dis, hein. Gros, j'ai oublié d'ajouter son contact, toi. Oh non. Mais t'es sûr que c'était Henriette? Ah non, elle m'a contacté en inconnu. Ah non. Ah non. J'ai pas son numéro non plus. Personne va acheter à 100. Bien sûr que si. Vas-y, je lui ai dit qu'elle me prenait pour un pigeon. Tu lui as dit ça? Oups. Excuse-moi, c'est... Tes propos m'ont décontenancé, excuse-moi. Pardon. Je lui demande, à mon avis... En fait, j'ai l'impression, vu que c'est un numéro inconnu, la réalité, c'est que j'ai l'impression que c'est pas Henriette. Elle t'a parlé d'EHPAD. Ouais, mais gros, genre, imagine... Tu penses que c'est les locaux qui nous tendent un piège? Bah, la réalité des choses, c'est que c'est pas impossible, tu vois. J'en sais rien, mais la réalité, c'est que c'est impossible. Ah, ça... J'ai pas envie de me frotter à eux. Bah non, moi non plus, gros. Après, là, normalement, je leur ai dit que ce matin-là, j'étais à l'exploitation, mais sauf que l'exploitation pour elle est au nord de l'île, donc ils sont complètement débiles. Oui, complètement. Je vais lui renvoyer un message, je vais lui dire, appelle-moi, moi, dès que tu peux. Si tu peux et veux, afin qu'on puisse continuer cette discussion ailleurs que sur ces putains de SMS qui me cassent les doigts à écrire. Hop là, ça c'est mon Fab ça. Écrire, même si ça était plus long à écrire avec cette phrase en plus que si je ne l'avais pas mise, bordel. Ah là là. J'ai été stupide de ne pas passer à Pôle emploi avant, vraiment. Excuse-moi Fab. En vrai, y a aucun souci, hein, Donna. Attends, on a chacun nos faiblesses, nos trucs. Eh bien, il se trouve que je n'en ai pas. Ah, là, t'as quand même oublié un truc, Donna. Dans la réalité des choses, c'est que je dis pas nécessairement que tu as trop de faiblesses, mais la réalité, c'est que là, t'as absolument pas. Ouais. Bref. Bah, écoute, cite-moi une. Bah, t'as oublié les clés à Pôle emploi. Doucement. T'as oublié les clés à Pôle emploi. C'est parce que je voulais te montrer l'exploitation. D'accord. Je voulais te montrer l'exploitation et on est bon. C'est vrai. Très belle publicité. Ah ouais? Tu as vu, c'est l'événement de gamer là qui réunit l'argent pour les assos, tout ça là. Non. Ok. T'as déjà donné pour une asso, toi? Non. Attends, non, je ne fais que recevoir. Oui? J'ai un appel. Oui, vas-y. Allô? Ah, il me casse les oreilles. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est pas moi c'est qui conduis. C'est qui? C'est Henriette. Oh, c'est Henriette. Oh, putain, doucement. Mais t'inquiète, fais-moi confiance. Henriette, juste, c'est quoi cette histoire de drogue là? Qu'est-ce que vous faites?
putain. Réponds-moi. Ah oui, oui. Ah putain. Comment? J'ai pris trop cher, putain. Ton prénom? Donatia. Ok, tu fais quoi en ce moment? Le vin. Tu fais le vin. Ok. Le vin. Tu associes à qui? Fabien. Prends le volant, prends le volant. Oui, bah oui, t'inquiète pas. Prends le volant. Ah putain. En vrai c'est chaud, en vrai c'est chaud, en vrai c'est chaud. Tu veux qu'on passe, tu veux qu'on passe à l'hôpital? Non, j'ai zéro faiblesse. Bah... Ah oh, non. Tu as l'air... Non, non. Ah putain. Je suis à contre-sens total, je suis à contre-sens total. Ah Donna, Donna. Où est l'hôpital? Donna. Ah allez, on non, t'inquiète. Allez, faut qu'on aille à Pôle emploi, là. Ceinture! Excuse-moi, putain, tu fais bien de le dire. Oh, tu m'as fait une frayeur, gros. Je t'ai vu sortir de la bagnole. C'est la routine! Ah, ah, c'est rien! Ah, putain! J'ai cru que j'allais perdre complètement l'affaire du siècle avec ce vin-là. Tu me dis, honnêtement, tu me dis si tu vas aller à l'hôpital, hein? Non! J'ai jamais été à l'hôpital. De toute ta vie? J'ai pas besoin. De toute ta vie. J'ai pas besoin. C'est quoi ce cri là? Ah mais... Oh merde! L'enculé, oh! Bouge là! Oh! Et du coup on est au rouge là! Putain. Ah ça va aller, c'est bon. C'est juste ça m'a saoulé. Et c'est quoi qui t'a saoulé? Le fait de tomber par terre. Fort. Bah, la réalité des choses, c'est surtout que j'ai cru que j'allais perdre un ami cher, quoi. Donc, Fabien... Patrick Balkany, oui, sait qu'il pourra compter, Donna, sur tous ses soutiens. C'est pas le moment de parler de ça. Parler de quoi? Avance, avance, avance. Ok. Avance. On se connaît à peine, Fabien. Tu veux me dire quoi? Non, mais on se connaît à peine. De droite. Qu'est-ce que tu me racontes, ami proche, Fabien? Je t'ai récupéré à l'aéroport il y a moins de 18 heures. Oui, non, mais c'est d'accord que ça fait pas longtemps, mais tu peux quand même être honnête un minimum. J'ai tout... Oh, putain, la bagnole! Oh, Fabien! Et d'où tu critiques? Non, mais excuse-moi, gros. Les gars, ils me doublent. Ils me font l'ensemble de la carrosserie, ou ils me la refont du début à la fin de but en blanc. C'est bon aussi. Non, non, mais comme je disais, simplement, oui, évidemment qu'on se connaît depuis peu, évidemment qu'on n'est pas... De droite, oui, les meilleurs amis du monde ou je sais quoi, évidemment. Après, faut bien prendre en compte que toi, t'as tout claqué en termes de thunes pour justement acheter le domaine viticole. Et oui, qu'on a aujourd'hui grâce à toi, et tu m'as quand même contacté sur LinkedIn, et la réalité des choses, c'est que moi, j'ai tout claqué aussi. Bon, j'avais pas grand-chose, pour être franc, mais en gros, j'ai tout claqué pour justement ce projet-là. Donc, c'est vert. Excuse-moi. Donc en Antoine soi, Daniel, on n'est peut-être pas... Je le croise, mais je lui tape un check. Attends, mais d'où il y a des feux comme ça, gros? Passe-le. Donc en gros, ouais, il y a des... Putain, c'est là. Il y a des... Non, mais je sais pas. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on n'est pas si peu proche que ce que tu le dis. Mais bon, après, je comprends que pour Monsieur Donna, excuse-moi... Non, Monsieur de Montazac. De Montaz, là? Non, pas de Montaz, non. Non, non, je crois pas, non. Monsieur de Montaz. Non, monsieur de Montazac. Le Don de Montazac, si tu préfères. Le Taz, vas-y, je t'appelle le Taz. Je préférerais pas, Fab, très honnêtement. Vas-y, ok. Je préférerais pas. Un peu de respect sur mon nom, s'il te plaît. Mais du respect sur ton nom. Put some respect on my name, s'il te plaît. I put some respect in your name without any problem, dude. Étonnant ce GPS tout de même là, qu'est-ce qu'il nous fait prendre là? Pourquoi il nous fait passer par derrière là? Je ne comprends pas. Ça doit être en hauteur peut-être? Je vais passer je pense où... Ah, passe au rouge, on est... L'exploitation non, agricole non. N'attend pas. Tu vois nos sangliers? Ils nous attendent là, ils sont seuls. Je viens de recevoir du chômage là. J'en reçois aussi, mais je voudrais recevoir de l'exploitation viticole s'il te plaît. Dire qu'on aurait pu recevoir l'argent d'Henriette, quoi. Mais j'ai pas son hume. Henriette? Attends, je vais lui envoyer... Ah oui, puisque... Attends, je lui envoie... Tu veux que je prenne le volant?
Non, non, vu ton état. Il faut pas que t'écrives et conduises en même temps, Fab. Non, mais là, je suis à un feu rouge, au moins. Tu peux m'envoyer ton num pour... Tu me le donneras. Pour que Donna t'appelle, je lui dis. En vrai, tu dis le mieux. C'est vert, c'est vert. Mais qu'est-ce que fait le GPS ? Bon, écoute. C'est tout droit, tu y vas. Ah, voilà. C'est ah, bon. Mais oui, c'était en hauteur. C'était en hauteur, ouais. C'est bon. Ça, la pluie, c'est pas bon pour l'exploitation, là. Non, c'est clair. Ça, c'est pas bon, ça. Putain, encore une pub pour Épierre, quoi. Qui est Épierre ? C'est un gars qui fait de la radio. Je peux pas le saquer. Mais c'est juste en dessous. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Faut que tu descendes. C'est en dessous de là ? Mais attends, gros. Bah ouais, c'est en dessous. Vas-y, tu sais quoi, il y a son père. Sors là. Attends, mais on va pas laisser le Hummer. Mais non ! Laisse-moi le volant. Laisse-moi le volant. Je comprends rien, vas-y. Je comprends que... Laisse-moi le volant. Regarde. Je vais t'y emmener. Regarde le Don. Hein. Regarde le Don, il fait le beau tout le temps. J'ai pas besoin de faire le beau, je suis en demande à Zach. J'ai du vin dans le sang. Non ! Laisse-moi la... Attends. Bon. Appartant ! Excuse-moi, hop là. Pardon. Allez. Voilà, viens. T'as pas mal aux mains ? Non, c'est passé. C'était vraiment une égratignure de rien du tout. Hein. Doucement. Oula. Ne t'inquiète pas. Alors, ça risque d'être impressionnant ce qui va se passer. Je vais prendre la route à contresens, mais ne t'inquiète pas. Tout va... Ne t'inquiète pas du tout. Regarde. Regarde comme c'est maîtrisé à 100%. Pardon. Pardon, n'aie pas peur. Oh, bon, tout se passe pression, bien. Tu me fais une pression. Mais non, regarde. Klaxonne pour prévenir. Je sais pas quel muscle utiliser pour mon klaxon. Oh, j'ai un téléphone. J'ai un numéro. J'ai un SMS. Écoute, on va passer par là, ça sera plus simple. Henriette de la Croix. C'est bon, putain. 50. Attends, je peux pas encore noter. C'est fou, putain. Ok. Non, mais écoute, on va laisser le Hummer ici et on va y aller à pied. Donne-moi le numéro d'Henriette, ça m'intéresse. Ouais, j'en ai. Ça m'intéresse énormément. Oula, non. Excuse-moi. Attends, juste on se protège parce que moi le téléphone il est mort. Ah oui, tu as raison. Surtout que tu viens de l'acheter. Dona ? Oui. Dona ? Oui, Fab. T'as de quoi noter ? Oui. Donne-moi le numéro d'Henriette. 555. Mmh. 22. Oui. 58. Ok, c'est noté. Très bien. Allons-y, allons au Pôle emploi. Attends, gros. Oui. Tu peux me le donner parce qu'en fait, je l'ai pas noté. Mais c'est toi qui viens de me le donner ? Oui, mais parce que c'était un SMS. Sinon. Après, je pense que je l'ai retenu. Ah, bref, attends. 22-58 après les 5-5-5. Henriette la vieille pour s'en rappeler parce qu'en vrai sinon je vous apprends. Henriette de la Croix. Ouais, c'est bon. Quelle tristesse. Alors on est réduit à vendre de la drogue avec des gangsters des rues. Ah mais en vrai on va pas en vendre. Hein. Tu m'as dit 555 22... Fabien, faut suivre. 22-58. 22-58. C'est bon. Vas-y, juste ce que je vais faire, c'est que je vais juste envoyer un message, je vais lui dire Simère le sang. Pour voir si elle comprend l'expression ou quoi. Bah, vu qu'elle traîne avec des gangsters, il y a des chances, oui. Je ne peux plus courir. Putain, il y a des flics. Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Il faut qu'on y aille doucement, tranquille, et on sera bon, quoi. Mais Oui. Juste à gauche. Mais non, c'est un hôtel. Quoi ? Attends. Oula. What ? Mais gros, c'est quoi le bordel ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai rien. Inculé, gros. J'ai cru que c'était terminé, oh. Très étrange cette histoire. Non, ne t'inquiète pas.
Attends, une seconde. Je vais t'envoyer. Mais si, Pôle emploi, il est là. Pôle emploi, il est là. Ouais, je t'envoie juste un message. Une seconde, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Là, on est bon, là. Mais attends. Ah, mais il faudrait que j'aille à l'hôpital, en vrai. Je crois que je me suis cassé plus de choses que je croyais. Tu m'as envoyé un message. Pourquoi tu m'as envoyé un message? Ah, c'est juste... c'est une info. En vrai, c'est juste une info. Ah. Oh. Oh, ok, ok. Très bizarre, ce SMS, Fabien. Je... C'est un message codé, tu as pas compris? Très bizarre. Oula. Ah, très bien, je vois, je vois, je vois. Qu'est-ce que je veux dire? Je vois, je vois, je vois. T'as compris, t'as compris. J'ai compris. Attends, faudrait que je graille quelque chose. Attends. T'as compris, t'as compris. J'ai compris, bien sûr. T'as compris, gros, t'as compris, gros. Bien sûr. Du coup, tu m'as dit en face? Attends, attends-moi, 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 attends-moi. Ah, j'avais lu dans un magazine qu'il fallait que je mange pour pouvoir courir, mais je ne peux plus, il faudrait que j'aille à l'hôpital quand même. Ah, tu as encore les douleurs, là? Bah, je ne peux pas courir, vois-tu. Je ne peux pas courir et c'est terrible. En vrai, passer à l'hôpital, franchement, je me demande si c'est pas... Attends, je vais voir quelque chose, attends. Dis-moi. Ah, mais attends. Dis-moi. J'ai envoyé un message, l'ambulance va arriver. T'es sérieux? Oui, oui, j'ai besoin d'être soigné. Même si c'est rien, évidemment. C'est juste pour pouvoir courir. Ils arrivent. Je leur ai donné ma position. Gros, je t'ai posé la question, il y a de ça, il y a quoi, il y a 15 minutes, je t'ai... Mais ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. Bon ben, on va à l'hosto. Ils viennent juste me soigner. Ok. Tu veux pas que je passe en deux spi à Pôle emploi pour récupérer justement les clés de chez nous, quoi. Il faudrait qu'on y aille ensemble, Je pense qu'il faut qu'on y aille ensemble. Attends. Votre appel vient d'être pris, donc ils arrivent. Tu crois, Ok. Mm-hmm. Non, parce que je me dis, tu vois, genre, peut-être toi, tu peux y aller, moi, je te rejoins avec le mort après, tu vois, je prends juste les clés. Juste, tu par préparation, tu te... Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. T'as pas confiance? Pas tellement. On ne se connaît que très peu. En vrai, ouais. En vrai, le truc, c'est que si, en fait, on pourra jamais bosser comme ça, si, quoi que je fasse... Rire de droite, tu me dis, genre, non, on se connaît peu et tout. Mais attends que je sois soigné, on n'est pas aux pièces, à ce que je sache. Bah, en vrai, on n'est pas aux pièces, tu vois, mais juste moi qui réponds à une demande où je me chauffe, tu vois, sur un projet où, ça compte pour moi. Tu peux juste attendre que les ambulances réparent mon corps de rêve. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont ces gens? Oh, le serpent d'air continue ici, apparemment. Pardon? Vous êtes en train de critiquer mes habits parfaits? Non. Je tiens à dire que vous vous adressez... Écoutez-moi bien, à Donatien de Montazac, et ceci est mon associé, Fabien Torres. Lui. Ouais, t'as pas de pantalon non plus d'ailleurs, si je peux... Alors, si toi tu vois pas de pantalon, c'est un problème, par contre j'ai un calbut, gros. Hein. Oui, oui, alors... Je pense qu'il va falloir soigner vos yeux, monsieur. Oui, d'accord. Oui, non, bah oui. Calbut. Et tu l'aimes pas, le calbut? Si, il est mignon. Non, Tom, ne regardez pas, Tom. Surtout, ne regardez pas. Calme-toi, il n'y a pas une couille qui dépasse, c'est bon aussi. Non, oui. Autant de vulgarité. Oh. Messieurs, je sens dans votre voix que vous êtes des amateurs de vin, de bon vin. Ah bah putain, Oscar. Quoi? Quoi? Ici. Mais ils sont pas bien, ça. Qu'est-ce qui vous arrive, messieurs? Pas les gars, quoi. On cherche du vin depuis une petite heure. Alors, écoutez bien. Votre concurrent qui voulait nous en proposer. Non, le concurrent, non. C'est un... Ah, attendez, c'est pour moi. Attendez. Ah oui, excusez-moi. Excusez-moi. Explique-leur, Fabien. Alors, oui, j'arrive. Messieurs. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il... Bonsoir. Il faudrait que je sois soigné. J'ai pris un petit peu cher à cause de la conduite déplorable de mon collègue. Ah,
fait, monsieur? Vous avez mal? Aux jambes, principalement. Je ne peux plus courir ni sauter, bien sûr. Vous allez venir avec moi et faire des petits radios, monsieur? Allons-y. Vous pouvez se monter à l'arrière, monsieur? Bien sûr. Attachez-vous bien, surtout, monsieur. Bien sûr. Oui. Fabien ? Quoi ? Je vais me faire le Fabien. Fabien ! Fabien, c'est pas quand je suis au plus mal qu'il faut m'abandonner. Juste, Donna. Oui. Donna, je suis avec l'équicos là, que j'essaie justement... Je sais. Moi, je vais à l'hôpital, je reviens très vite. Oui, non mais ça, j'avais cru comprendre, Donna. T'inquiète pas, moi, je fais mon affaire, je me bouge le fion et puis je te rappelle, ok? Oui, bien sûr. C'est... Bon, bisous le sang. Allez. Bisous le sang. Vous m'entendez à l'avant? Oui, ouais, monsieur, je viens juste d'arriver en ville, je fais au plus vite, monsieur. Y'a pas de souci, mais faites attention, mon corps de Montazac est très 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 fragile et très, comment dire, précieux, bien sûr. Ah, monsieur, vous êtes pas comme ça, monsieur, vous êtes un bonhomme, vous, non? Bien sûr, je suis un de Montazac, évidemment. Le corps que vous voyez à l'arrière du véhicule est ce qui se fait de mieux dans l'espèce humaine à l'heure actuelle. C'est la peak performance, comme on dit. C'est pour ça que vous avez les jambes en miettes. C'est à cause, je le répète, de la conduite déplorable de mon collègue. Ouais, bien sûr, monsieur. Je l'ai appelé, mais c'était trop tard. Donc terrible, oh là là. En parlant de conduite déplorable... Allez. C'est évidemment une plaisanterie, madame, bien sûr, c'est évidemment une plaisanterie. Allez, détachez-vous, on est simple, monsieur. Allez. Ah. Regardez. Oui. Suivez-moi. Bien sûr. Vous alliez à un bal déguisé? Un bal costumé, monsieur? Que voulez-vous dire par là? Je vous pose des questions par rapport à votre accoutrement, savoir si c'est normal. Et qu'y a-t-il de problématique avec mon accoutrement? Enfin, il est... Oui, bien sûr. Bah non, je m'habille comme tous les jours, bien sûr, tout à fait correctement. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de voir des gens aussi bien habillés, c'est peut-être tout, en fait. Ouais, c'est bien sûr. Habillé. Bah, excusez-moi, mais... votre chapeau dans un magasin de déguisement aussi, monsieur? Non, je ne pense pas, non. Par contre, j'ai vu votre costume dans un magasin de déguisement. Ça va pas le faire, hein, vous, monsieur. Mais si, vous inquiétez pas. Je vais chercher mon supérieur. Bien sûr. Il est vrai que Donatien est un petit peu endimanché. Je vais aller en salle d'attente. Je ne peux pas aller en salle d'attente comme ça. Oui. Ah bonjour, monsieur. Bonjour, oui. Monsieur Maison. Ah non, monsieur Maison, c'est pas moi. Il est parti chez le docteur Cox. Juste, excusez-moi, je suis stagiaire ici. Est-ce que vous pourriez m'indiquer où se situe la radiologie, s'il vous plaît, monsieur? Alors, je vous avoue que je viens de me faire recruter, je suis pas forcément... Oh là là, mais je suis avec des amateurs. Et où est le médecin en chef? Donatien. Qu'est-ce qui s'est passé? Antoine? Non, moi c'est Daniel. Daniel? Eh oui, Antoine c'est mon cousin. Ah oui, bien sûr, mais où est-il? Que fais-tu là? Je ne sais pas, il m'a abandonné. Actuellement mes muscles ne répondent plus. On va retester un petit peu ses lits, sont très confiants. J'ai l'impression qu'on ne vous répare pas beaucoup. Ah oui? Sûrement un collègue qui va s'en charger. Est-ce que monsieur avec le chapeau, c'est quoi votre nom déjà, monsieur? Donatien de Montazac. Ouais, je vais vous appeler chapeau. Non. Chiffre, s'il vous plaît, chapeau. Oui. Quel manque de respect. Moi aussi, j'ai un nom de bourge, hein. Ah, bah, et c'est... Quel est votre nom? Du Tour de Somme, monsieur. Jamais entendu parler. Vous venez avec moi? Oui, bah, je suis là, oui. Oui, bien sûr. Ah, il faut que je l'utilise. Ah oui. Faut que j'aille où? Urgence, je suppose? Ouais, voilà, il sait pas prendre l'ascenseur. Mais si, bien sûr que si. Allez. J'avais juste besoin de mon ascenseur personnel. Je n'aime pas le partager avec des inconnus. D'autant plus quand ils sont aussi désagréables. Allez, monsieur. C'est moi qui décide ce que je mets dans votre corps, monsieur. Allez, venez avec moi, monsieur. C'est terrible ce que vous me dites. La porte est ici, monsieur. Oui, bien sûr.
Faudra faire réparer vos lunettes. Vous pouvez monter sur Slim, monsieur ? Oui, bien sûr. Il est pas assez douillé pour... C'est bien, ne vous inquiétez pas. Ça ira comme ça, monsieur ? Donation de Montazac s'adapte à toute situation. Attendez, je vais regarder... Ah, mais ça, par contre, c'est pas possible avec la quête-chaussette, monsieur. Écoutez. Je connais la mode actuelle. Non seulement je connais la mode, mais c'est moi qui l'a fait. Écoutez-moi bien. Je suis Donatien de Montazac. On ne remet jamais en question mes goûts. Que ce soit bien clair. Maintenant, faites votre travail et on n'en parle plus. Donc c'est fait exprès, c'est moche, monsieur. Non, ce n'est pas moche. Ok, monsieur. Bon, je vais vous ausculter, monsieur. Il va falloir que je remonte ce legging. Ce n'est pas un legging, c'est un bas de pyjama. C'est un bas de pyjama. Monsieur, c'est même pas enflé. Bon, monsieur. Bon. Je ne sais que vous dire, j'ai pourtant le corps très solide. Je vais vous mettre un petit pansement, monsieur. Oui. Ça devrait aller mieux. Oui. Oui, c'est de la sapologie. Voilà, monsieur. Merci bien. Alors, vous avez remarché, monsieur ? Oui, parfait. Très joli travail. Ah, ça sera tout, monsieur. Vous pouvez partir. Merci beaucoup. C'est l'État qui finance les soins. Évidemment. Il est hors de question que je dépense de l'argent dans un bouge comme celui-ci. Allez. Alors, je vais appeler Fabien. Je vais appeler... Monsieur du chapeau rouge. Vous pouvez sortir là, monsieur. Pardon ? Vous pouviez sortir là, monsieur, si vous voulez, monsieur. Pardon. Bonne soirée et bon courage surtout. On respecte votre travail, bien évidemment. Vous saviez... Je vous applaudissais le soir il y a quelques mois. Hein. Attention, hein. Je suis quelqu'un de bien. Allez, j'y vais. À plus tard. Oh là là. Oh, je vais être réduit à prendre le bus, peut-être. Ah, c'est terrible. Ça me dégoûte. Excusez-moi. Puis-je... Non. Oh non. Oh pardon. Voilà. Ah non. Qu'est-ce qui se passe? Ouais Fabien, je viens de sortir de l'hôpital. Quoi, déjà? Oui. La inculé, il est où l'hôpital? Je saurais te dire. Non mais je vais venir te rejoindre à Pôle emploi. À Pôle emploi. Ouais, mais moi j'ai pas compris exactement où c'était. C'est là où il y a écrit Banner Hotel, je sais pas quoi là. Attends, je pense que c'est par là. Attends, je vais essayer de rejoindre le plus rapidement possible. Je crois que c'est là. Attends, si j'ai pas de bêtises, c'est bien ça. En gros, vas-y, je regarde sur le GPS oui. du téléphone. Rire de droite. En gros, tu vois ça où toi en fait? Il faut chercher dans le GPS Pôle emploi sur la liste à droite. Pôle emploi. Tu as le même OS que moi hein, sur le téléphone. Ah, il me semble bien que oui. Hein ? Parce que... J'arrive tout de suite, Fabien. Je suis au pied de Palamon. Ah bah attends-moi, j'arrive. Vas-y. Vas-y, la bise. À toutes. Allez, tu raccroches. Bisous. Non, et gros, c'est ok. Ah non, je suis au volant, je ne peux pas trop utiliser... D'où tu m'appelles au volant ? Bah c'est toi qui m'as appelé au volant. C'est pas moi qui ai appelé. Il est con, lui. Bah, c'est toi qui as répondu, gros. Oh, bah, j'ai répondu parce que t'es mon collègue et un ami cher. Ah, donc on est ami cher, finalement. Eh oui. C'est allez, parfait. Allez. À toutes. Bisous. Allez. Oh là là. Faut toujours le rassurer, le petit, là. Hein. Allez, on prend à contresens. Ma chérie, tu es à contresens. Ah là là. Moi aussi, je suis jeune. Hop là, attends, hop. Oh, Donatien, tu as vraiment une conduite bien à toi. Qu'est-ce que c'est ? Nouveau message. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Hop. Ah, c'est ici. Attendez, Non, attends. Il faut... Soyons sérieux. Soyons sérieux, 5 minutes. Qu'est-ce que c'est que ce message ? Je t'ai pas dit, mais je... Très bien. Alors, attends. Ah, voilà.
Va falloir que j'appelle, il sait pas où c'est exactement. Allô ? Oui Fabien, je suis à l'endroit où nous pouvons choisir les métiers, je suis au pied de Pôle emploi, tu ne dois pas être au bon endroit. J'ai un cercle vert, étonnant, c'est un effet surnaturel, j'ai l'impression. Et quand je rentre à l'intérieur, mon muscle choisir un emploi s'active. Il faudrait que vous me rejoigniez, que tu me rejoignes. Mais gros, tu es rentré dans le bâtiment ? Non ! Je n'ai pas besoin de rentrer dans le bâtiment. Oh ! Attendez, je me dégourdis les jambes en t'attendant, ok ? Si ça te va ? Excuse-moi gros, mais vraiment ? Oui ? Je te trouve pas gros. Ah bah je suis vraiment au pied du bâtiment, là où il y a écrit banner en bas. Ah, il y a écrit banner en bas ? Mais gros, mais j'étais juste là, attends. Il y a écrit banner, mais ça doit être écrit sur plusieurs côtés. Je me dégourdis les jambes un petit peu. Tu fais pas de soucis. T'es où ? Eh, moi je suis là, où, je te jure, il y a écrit banner. Mais ça doit être de l'autre côté où tu dois aller, je pense. Ok, je vais de l'autre côté. Bon. T'es pas en hauteur, parce que là je suis sur le parking en fait. Je suis sur un parking. Vas-y, je crois, je sais où t'es. Ah. C'est bon, Donna ! T'es où ? Ah, Fab ! Ah, voilà. Ah, Fab, quel plaisir. Regarde comme je suis pimpant. Hop là ! Hop là ! Ils m'ont requinqué en 2-2. Ils m'ont dit qu'ils me respectaient énormément et qu'ils adoraient mon accoutrement. Donc, vraiment, un ravissement de tout instant. Ok, c'est ici. Viens par ici. Fab ? Fab ? Fab ? Petite absence. Ouais. Ah, petite absence, hein, j'ai l'impression. Hein. Allez, choisir un métier. Vigneron. Vous devenez vigneron. Ah, voilà. Tu es devenu vigneron aussi, Fabien ? Fabien ? Non, je cherche. Tu t'es mis en quoi, tu m'as dit ? Vigneron, vigneron. Vigneron mission. Ah oui, mais putain, c'est ça que je vais te dire. Alors, franchement, c'est trop bien ce qui s'est passé. En gros, j'ai trouvé masse de trucs. J'ai trouvé un clicos, enfin deux clicos. C'est des pigeons, gros. C'est des pigeons. Je pense qu'on leur vend une piquette et ils en veulent pour ce soir. Et donc, il y a des pigeons à qui on peut vendre du vin, pardon. Ok. Gros, t'as pris leur 5-5-5. J'ai pris leur 5-5-5. Et tu sais pas la meilleure. Tu sais qu'ils m'ont donné un truc. Oui, j'ai vu. Tu m'as envoyé le SMS. 250 grammes. Deux zèbres, gros. Incroyable. Et bah ça, ils te l'ont donné, tu l'as pas acheté. Gros, je n'ai rien demandé. Oh là 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 là. Et je te jure, il m'a foutu 250 grammes de zèbre dans la poche. Oh là là, énorme ! Énorme ! Incroyable ! Ok. Et tu as choisi du coup le métier vigneron ? Tout à fait. Allez, viens, on y va. Quoi ? Eh, excusez-nous ? Oui, bonjour. Wow. Bonjour, je suis Donatien de Montazac. Ouais. Qui êtes-vous ? Excusez-moi, Imad, enchanté. Quel incroyable accoutrement, monsieur. Bonjour. Oui, mais je sais pas pourquoi tout le monde me parle de mon accoutrement. Imad, je m'appelle, enchanté. Enchanté. Pourquoi y a un comédien de cul en plein milieu d'un parking ? C'est vrai qu'on dirait effectivement Pascal Oppé. Effectivement. C'est qui le comédien de cul ? Et comment vous appelez-vous ? Imad, monsieur. Imad ? Imad comment ? Imad Bouguera. Montrez-moi votre carte d'identité, je vais enregistrer votre numéro de téléphone et je vous parlerai de pro... On est où, là ? Là, nous sommes exploitants de vin, tout simplement. Nous avons une exploitation viticole au nord de la ville. Et si vous êtes... est-ce que vous appréciez le bon vin, la bonne boisson ? La bonne vie, quoi ? Non, je peux pas, monsieur, je fais le ramadan, là, je jeûne. Eh bien, dites-vous bien, alors effectivement, je me doute bien que vous n'avez pas le droit de boire de l'alcool, mais nous comptons faire du jus de raisin aussi. Complètement. En fait, en gros, on a un domaine viticole, donc ce qu'on propose, c'est à la fois du vin, mais aussi du jus de raisin qui va vous permettre de maintenir une forme permanente, quoi. Vous cherchez pas de la main-d'œuvre, quelqu'un pour travailler ? Moi, je cherche du boulot. Ah, mais est-ce que un stage vous conviendrait ? Non, ça va, merci, je cherche du... Ah. Honnêtement, je comprends. Honnêtement, je comprends, tu vois.
personne. Vous êtes sûr, hein, c'est vraiment sur un CV, ça fait très bien d'avoir travaillé à l'exploitation Montazac Torres, hein, mais bon, après, je ne veux pas vous mettre des bâtons dans les roues. Je suis du Pôle emploi, je crois que ça va mieux. Regardez-moi ça là, je viens de sortir de l'hôpital, j'ai même pas pu trouver mes vêtements. Obligé de me promener comme ça en plus. Attendez, mais reviens. Fab, vends-lui ta drogue. Mais gros, tu sais que j'ai limite envie de l'aider, genre j'ai envie de lui donner genre 10 balles bénéf comme ça. Vends-lui ta drogue. Ça l'aidera, ça lui fera penser à autre chose et on aura de la thune. Le truc, c'est un pochon, si tu veux, c'est un pochon que j'ai eu de 250 euros. Et c'est un pochon, j'ai pas d'autre pochon, gros, je peux pas le diviser le pochon. Bah et alors, bah tu lui vends tout le pochon en entier. Un petit joint avant d'aller dodo, c'est pas un truc qui te chauffe, toi. Ah non. Il faut qu'on ait l'esprit, chez les Montazac, on a l'esprit clair. Okay. Ah vas-y gros, non. Fabien. Pas tout donner. C'est qui le maître des affaires ici? C'est toi, Dona. Bah alors. Bonne chance avec votre projet. Attends. Ouais. Est-ce que... Alors je sais que effectivement le vin c'est pas spécialement ton truc, votre truc pardon, mais est-ce que la drogue ça vous plaît, ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Ouais. Ça passe. Hein? Mon téléphone il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des taxis bizarres il dit là. Il y a des taxis bizarres? Ouais c'est mon téléphone, excusez-moi. Ouais vous en parlez de drogue là sinon? Ouais, en gros, je t'explique, le bail, c'est que j'ai plus de donc 250 grammes de zeb à même la poche. Ouais, ça a changé vite de registre, là. Voilà. On est passé du jus de raisin à de la zeb. Ouais, mais ouais. Est-ce que ça vous intéresse? Et on s'en va après. Absolument. Dites-moi tout, qu'est-ce qu'il y a? Alors, combien vous seriez prêt à mettre pour 250 grammes de zeb? Ça coûte combien? Dites-moi, en vrai, je vais pas vous mytho, j'ai pas d'argent, je suis pas votre banque. Même pas 20 balles? Non, tu sais quoi? Pas 20 balles? Tu sais quoi? Non, tu sais quoi? J'ai, en fait, en gros, j'ai un pochon de 250 grammes de zèbre. Le problème, c'est que j'ai rien pour la séparer, j'ai absolument rien, que dalle. Donc en fait, c'est 250 ou rien. Je comprends que tu aies pas les thunes, parce que effectivement, on est sur quand même un dos assez élevé. Et tu sais quoi? J'ai envie de te donner genre 10 balles cadeau. Fabien, mais qu'est-ce que tu fais? C'est gentil, merci beaucoup. Mais Fabien! Merci beaucoup. Mais vous. Franchement, merci beaucoup. Ça va m'aider à bien commencer là. C'est ce que je me dis. Oh la thune que je me suis fait là. Dona. Attends. Oui. Alors. Tenez. Merci bien, monsieur. Mais Fab, qu'est-ce que tu fais? J'ai trouvé mes fringues, avec mon portefeuille, tout mon argent et tout là. Mais du coup, vous êtes plus rien du tout. En fait, non, je dis merci, mais c'est pas vous là. Vous m'avez rien donné là. Donnez-moi non, j'ai rien, monsieur. Attendez un petit instant. Fabien. Hop. On va écouler la weed à foison. Quoi, j'ai entendu? Ouais, attends. Attendez. T'as reçu? Ouais, merci. Rire de droite. Et merci, chef. Et honnêtement, il parle de vous là, monsieur là. Messieurs. Oui. Seriez-vous intéressé pour 250 grammes? 250 grammes de quoi? Attendez, je ne me souviens plus. Attendez, je reviens tout de suite. Restez sur place surtout, hein. Il a l'air super con. Pardon? Non, pardon. Il parlait de moi. Ah, il parlait de mon pote. Ouais, c'est vrai que je suis le con. Bel accoutrement. Merci beaucoup. Merci. Pas bien. Ils seraient prêts, ils veulent 250 grammes, mais c'est 250 grammes de quoi qu'on a? C'est deux, non, on va dire 200. En vrai, on va dire 200, parce que 250, ça me semble trop. Va leur donner. Va leur vendre, je veux dire. C'est bon. Excuse-moi, rappelle-moi ton prénom. Aymad. Aymad, c'est bon, Aymad. Hein. Tu as reçu? Attends, je vérifie. Y'a tout. Non, y'a rien, y'a juste la thune. J'ai juste la thune, là. Je pensais que t'avais glissé dedans un petit projeton ou quoi. Oh là là, mais attendez! Qu'est-ce que c'est que cette histoire, monsieur? Attends, Dona, une seconde, s'il te plaît. Mais j'ai pas... En fait, j'ai pas de pochon, gros. Quoi? Pas. T'as pas de pochon? Mais tu m'as dit que t'avais un pochon. Fabien, mais t'es bourré? Non, Dona, j'ai un pochon. Mais en gros, j'ai un pochon de 250 grammes, je peux pas la diviser. Bah oui, mais c'est pas grave, on va le vendre à ces deux mecs là, ouais, regarde, vas-y. Vends-le à ces deux mecs. Vas-y. C'est quoi, c'est pas grave. Ça va, messieurs? On se recapte. Ouais, vous, salut.
Ouais, ça va, ça va. Bah, dites-nous, qu'est-ce que c'était que ce deal là ? Fabien. Fabien, explique-leur. C'est comment, là ? Qu'est-ce que c'est compliqué. À la base, où, bon, je vous explique. Je vous explique. En gros, à la base, nous, on est des vendeurs de vin, des vendeurs de jus de raisin. Je comprends pas. Vous pouvez parler en anglais comme nous ? On est en Amérique ici. En gros, nous, on vend du raisin. Ok ? We, ok, we are selling raisin, c'est bon ou pas? Ok, raisin. We are selling raisin and the vinasse. And we've got some cannabis, like zeb or like weed, ok? Mm. And Des sandwichs. Est-ce que vous voulez acheter ces 250 grammes? Mais c'est énorme, 250 grammes, non? Il prend que des 250 grammes. En fait, c'est pas déjà 10 grammes pour commencer. La réalité des choses. Il a l'air bizarre, lui. Là. Il est en peignoir, votre pote. Il a l'air con, non? Ah, en vrai, c'est pas un ami, on l'a croisé, il sort de l'hôpital, le cher, il est pas bien. Il a l'air. Ah, c'est pour ça la pluie. C'est une sombre merde. Oui, bah. Tu es un peu dur, Donna, en vrai. Non, mais en fait, voilà, c'est juste que moi j'ai croisé deux pignoufs tout à l'heure, ils m'ont filé 250 grammes de zeb. Le truc, c'est qu'en vrai, on a envie de se faire du beurre plutôt que juste simplement fumer. Un petit billet. Après, vous allez faire comment pour refaire des thunes? Notre exploitation viticole fera l'affaire parfaitement. Juste nous, ça a aucun rapport avec la zeb, notre activité, si tu veux. Nous, on gagne notre vie ailleurs qu'avec la zeb. La zeb, c'est du bonus. Ouais. La zeb, c'est les dorés. Oh bah oh, chut. Ah, et donc c'est comme ça que quand mon chat. J'ai appelé mon chat Patrick et au jour d'aujourd'hui, bah il va fêter ses 32 ans. Bonjour. Bonjour, ça va, monsieur le policier? Bonsoir, monsieur, vous avez un souci? Bonsoir. On discutait de chats. Bah parce que là, je vois quelqu'un qui a un problème de pantalon, là. Oui, ce n'est pas un problème, c'est le style de mon associé, non. Fabien Torres, monsieur. Il a chaud. Je me porte comme ça depuis que je suis arrivé sur le territoire américain, parce que voilà, j'ai envie de me démarquer aussi, parce que je connais peu le monde qui m'entoure, et voilà, je me dis que ça peut être l'occasion d'avoir des relations avec les gens en discutant, quoi, purement simplement. Ça, même mais déjà, des relations juste amicales, hein. Oui, pas de soucis, oui, bah, enchanté, je suis le capitaine Bill Boyd, et voici mon lieutenant. Bill Boyd. Et lieutenant Francis Cook. Ah, Bill Boyd. Enchanté, monsieur Skuk. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah, Skuk. D'accord, dites-moi. Vous êtes vraiment parmi les meilleurs de votre profession. Ah bah, plaisir, merci encore. Ah oui, mon capitaine. Bah c'est bon, parce qu'on a eu l'habitude de voir des gens qui sont un peu à poil et qui sont un peu... Nous venions juste récupérer les clés de notre exploitation viticole avec mon collègue. Exactement. C'est ça. Et au final, bah, nous, on venait juste prendre des nouvelles des emplois qui sont proposés et on a dérivé à parler de chats et de chiens. Ok, bah pas de soucis. Bon bah, on va y aller, on a du boulot. Très bien. Bonne soirée et bon courage surtout, monsieur l'agent. Hein. Bonne soirée et bon courage. Et du coup, voilà, et ensuite, mon chat, il a commencé à se bagarrer avec bien lui. Sûr. Il lui met une patate. Non. Du coup, moi, je lui mets un coup. Ah là là là. Et je dis, oh, excuse-moi et tout, je voulais pas faire ça. Bon, du coup, ça tweet, là. Bon, allez, combien vous êtes prêt à mettre? En gros, le truc, c'est j'ai... Je suis chaud pour voir de vous filer, genre, 25G, tu vois. Ok, et ça, vous vendez combien, le... En fait, le chat, le truc, oula, le chat, moi, chat. Mais le truc, le problème des chats aussi, c'est que bien sûr. Des fois, ils s'en foutent, tu vois ce que je veux dire. Que les chiens, c'est plus affectif. Attends, c'est quoi? C'est vrai qu'il n'y a aucun plaisir n'est meilleur qu'un chien qui te fait la fête quand tu rentres, quoi, bien sûr. Ça mangeait du ketchup. Excusez-moi. Vous savez si le pôle emploi... Pourquoi tout le monde me dit que je suis tartiné, là? T'es pas mangé ou quoi? Monsieur, vous parlez très loin, là, monsieur. Attends, je m'écoule dans le cul. Attends, bouge pas. Oula. Attends. Alors, est-ce que vous savez si le pôle emploi est ouvert à cette heure-ci? Normalement, il est ouvert. Ouais, c'est juste là, monsieur. C'est les messieurs là qui sont derrière la porte. Ok, c'est où tu m'as dit? Là, juste là, il y a le monsieur là. Gilbert et Yvan. Ils vendent des emplois. Ok. Merci. Mais monsieur, vous avez un petit problème au niveau de vos cordes vocales. Les cordes, elles ont un problème. Vous là. Fumez un peu trop, non? Non, pas du tout. Un parce peu que trop je suis doré. Un... Non, parce que je suis un pressario en fait. Il faudrait. Vous fumez pas par hasard? Non, moi tu sais, je suis plutôt je suis plutôt genre pas d'alcool, pas de substances illicites. Ouais, mais vous avez raison, tout pareil. Non, mais en fait, juste de la coke, mais c'est tout. Enfin, quoi? Sinon, pas beaucoup. J'ai l'impression qu'il faudrait que vous alliez à l'hôpital, mon cher monsieur. Oui. Non, mais c'est monsieur. Si, il a raison, hein. Allez-y tout de suite. Il cherche un travail pour le moment, mais bon.
Écoutez, messieurs, c'était un plaisir de vous rencontrer, mais nous allons rentrer à notre exploitation viticole. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Au revoir, c'était Donatien. Si vous cherchez... Oui, on vend du... Monsieur, avec le slip, venez voir, monsieur, avec le slip. Non, il faut qu'on rentre avec mon associé. Attends, je vais... Qu'est-ce qui se passe ? Je vais prendre 25, moi, si vous voulez. Pour combien ? Je sais pas, 500, c'est bon ? Vas-y, c'est bon. 500, ok, vas-y, donnez-moi un numéro et on se fait un rendez-vous plus tard, parce que là, il y a trop de... Non, plus tard. Non, prends-le maintenant. Maintenant, vous êtes sûr ? Oui. Ok. Derrière un mur ou un truc comme ça ? Ils sont où ? Il est où ? Pas bien ! Merde. Il est où ? Ah, mais ils sont là. Là, c'est bon, là, il y a tout ? Combien vous avez acheté ? 500. Attends, il y a un problème. Juste. Vas-y, redonne la zèbre pour voir. Qu'est-ce qu'il y a là ? Vous essayez de m'emboucaner, c'est ça ? Non. T'as dit ? J'appelle la police hein, si vous m'emboucanez. Non. En gros. Non, on a une galère. En fait, on a une galère. Moi, j'ai un pochon de 250 grammes. Le problème c'est que. Attends, ils arrivent les guignols là. Ok. Donc, le chat. Descends de là-haut, toi. Oui, le chat, il a oublié d'avoir des griffes à la maison. Fabien, il faut qu'on termine là. Bah, je l'ai recueilli, le pauvre. En vrai. Allez, pote, vous faites quoi ce soir ? Nous, on ne s'arrête jamais de travailler. Nous, on est censé bosser. Hein. Nous aussi, hein. Nous, on bat. Bah nous on est en fait alors enfin moi je fais du rap et, ouais. Et lui c'est mon agent mais ouais. On peut écouter un peu. Allez-y, un petit freestyle hein. C'est chaud, j'ai alors... rien de prêt hein. Allez, j'adore la rap music. OK, c'est l'histoire de moi qui débarque à Los Santos j'ai pris un moment, je suis tombé d'une échelle, enfin vous allez comprendre. Vas-y, j'envoie. On voit. Vous entendez bien, c'est enceinte et tout tranquille. Ah, j'adore le hip et le hop. Ok, vas-y. Ça groove, yo. Ça vous dérange si je danse? Non, vas-y, danse, mais par contre, me coupe pas, c'est chiant. T'inquiète. Ok, mes excuses. Ah, Philippe filme pour les réseaux sociaux. Ah oui, attends, bouge pas, je vais filmer. Ouais, une nouvelle aventure qui commence, je vais mettre le monde en transe parce que je suis plutôt chaud. Je dois me chercher un toit, un foyer, sinon je vais finir comme un vieux clodo raté. C'est pas mal hein. Allez, les gars, je suis au début de ma carrière, je suis un peu intimidé pour le moment. Mais je sens que vous allez percer. C'est bien, hein. Si vous avez besoin de... Julien. Ouais, Julien Titan. Julien le rappeur. Julien le rappeur. Ouais. Ok, Julien le rappeur. Eh ben vous avez beaucoup de talent, j'ai envie de vous dire, mon cher Julien le rappeur. Ça fait plaisir les gars. Julien. Vous auriez pas des contacts, parce que bon, Philippe c'est mon agent, mais c'est un pote de vie, c'est un pote d'école, tu vois, genre à la base. Ouais, c'est ça, je suis un peu un pote d'école à lui, quoi. Ouais, du coup, vous en avez marre d'être avec Philippe, c'est ça ? Non, mais c'est pour aider un peu Philippe, c'est nouveau dans la ville, il vient d'arriver. Attends, c'est pas ce qu'il vient de dire, mec. Je suis diplômé d'une école de MBA en management des ressources artistiques, tu vas pas commencer à me raconter ta science. Alors ça suffit. Ok, mille excuses, monsieur Philippe. Ouais, moi je suis non. Fabien ? J'ai rien à perdre. Fabien ? Oui, vas-y. On était en train de... Attendez, excusez-nous quelques instants. Est-ce qu'on peut s'isoler quelques instants, s'il vous plaît ? On revient tout de suite, bien sûr. En vrai... Bah, dites-moi. Allez, vas-y. Je peux pas te filer 25 grammes de zèbre. Ok, je dois te prendre, c'est ça ? C'est okay, soit c'est... tout à 5000, soit rien. 5000 hein ? Bah c'est trop... Non, accepte. Ah, bah, j'ai pas 5000, ouais. j'ai même pas. Eh bah c'est pas grave. Bon, on annule l'échange. On a non. Dommage. Oh. Mais sous. excuse-moi. Bien sûr. Oui. Mais 5000, je pense honnêtement que ça fait un bout. En vrai, je veux bien monter à 1000. Ah. 1000, ça peut le faire. Ça peut commencer à le faire, 1000. 1000, comme ça, on fait une bonne affaire. Potentiellement avec. Je sais pas si vous en avez d'autres, pourquoi pas. Parce que mon pote, lui, il fume trop. Il a... Ouais, bien sûr. Edwin est. Regardez, ils ont tous carrément. Bon, 1000, ça vous va ou pas ? Oui ! Oui ! Vas-y, go pour 1000, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Vas-y, c'est bon. C'est bon. Tenez, c'est quoi votre prénom ? Moi, c'est Fab. C'est Fab, lui. T'es monsieur Fab. Fab, appelle-moi Fab, gros. Eh bien, on y va, Fabien ? Attends, il m'a pas donné. Ah !
Ouais, ils sont battus, ils sont battus. Ah bah... Non, c'est à moi que tu me l'as donné. Ah merde. Me piqué. Mais non. Non, excuse-moi, la réalité des choses, c'est que je suis hyper fatigué, on a une journée de dingue, il a l'os. Quel muscle je dois utiliser pour le donner? Vous savez, votre muscle... Ah. Vous aimez bien la Formule 1, mais qu'est-ce que vous pensez de la Formule 2? Oui, bien sûr, j'adore ça. Bah oui, c'est bien aussi. Et du coup, si je pour ensuite vous le donner, comment et quel muscle j'utilise? Vous le prenez comme ça, vous le prenez. Mmh. Et ensuite, bah. C'est le journée de les gars. Ah oui. C'est pas grave. Là, c'est bon. Mais... Du coup, c'est 1000. Hein? Hein c'est 1000. Non, moi, il me faut le pochon, moi. Oui, mais c'est 1000. Oui, c'est bon, j'ai payé votre collègue. Fabien, t'as été payé? Oui, j'ai été payé. Monsieur Fab. Et c'est quoi votre business principal que vous m'avez dit ouais Ah merde, attends, donnez-le à mon collègue. Ok. Il faut absolument se casser d'ici. Oui, on va se casser. Je lui donne et on se casse. Vas-y, prends ton... Ah. Oui, d'accord. C'est bon, merci. Allez, à plus les collègues. Oui, attends, j'arrive tout de suite. Attendez. Tout va bien? Le deal est terminé, donc on peut couper les... Bien sûr. Mais on va partir tout de suite. C'est suspect là, partez. On part. Allez, bisous. Salut. Viens, on prend une voiture, Fab. Voiture. Ici. Monte vite. En gros, je t'explique. Je les ai dénoncés à la police. J'ai fait parer le sang. Let's go! On les a baisés. En plus de ça, tu sais ce que j'ai fait, gros? En gros... En fait, y'a les flics! Casse-toi! En fait, c'est ce que... Gros, chut! Fais genre... Oui, bien sûr. C'est réfrain. En gros, je t'explique. En plus, donc déjà, de une, on a appelé les flics, genre là, ils sont dead. Je te dis, ils sont dead. Tu sais ce que j'ai fait, en plus? En gros, à la base... Ah, ça, c'est mon Fabien, ça! À la base, je lui avais dit, donne-moi 500 contre donc 25 grammes de zeb, tu sais. Et bah, oui. En gros, il m'a donné 500. Moi, j'ai pas pu donner les 25 grammes de Zeb. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai rendu 500, mais de faux billets. Je l'ai entubé, gros. Allez, c'est très très bon. En plus, tu lui as pris 1000 là. Je l'ai entubé, gros. Bravo, mon cher Fabien. Tu es un parfait associé. Tu es un parfait associé, mon cher Fabien. Bon, c'est florissant tout ça. Ça régale en vrai. Grippe pas les faux pas maintenant. Non, t'inquiète pas. Voilà les flics qui arrivent. J'ai envie de regarder en vrai. Non. Laissons faire la nature. Notre humeur, on le laisse où il est ou pas? Ah, oui. Les vitres étaient cassées de toute façon. Elles étaient brisées. Ok. Moi, je voulais vraiment que tu leur vendes parce que j'avais préparé mon message depuis un petit bout de temps. Gros, je viens de capter un truc. Oui. Je suis un peu fatigué et tout, je crois que j'ai fait une connerie, je crois que... J'avais pas de faux billets, j'ai cru que c'était des faux billets, je crois que je lui ai quand même donné 500. Hein. T'as récupéré 1000. Donc dans tous les cas, t'as gagné 500. Ouais, mais en vrai, gros. Oui, j'ai plus de thunes que tout à l'heure dans mes poches, ça c'est sûr. Surtout que c'est de la zop qu'on m'a donné, hein, gros. Donc, bien sûr. J'ai du client, je t'avais dit. Du client pour le vin? Ouais, bien sûr, par contre. Pardon, madame! Excusez-nous. Mais oui, putain. Attends, tu veux que j'envoie un message au Kikos là que j'ai chopé tout à l'heure là, comme pendant que t'étais à l'hosto? Attends, déjà on va déjà ouvrir l'exploitation et ensuite on va les accueillir. Ok. Quoique, tu peux leur envoyer dès maintenant le temps qu'ils viennent, s'ils viennent directement. Vas-y. Oh, mais c'est pas vrai! Oh, les gens conduisent n'importe. Oh, c'est Marius Rotares qui est à l'avis de recherche. Marius Rotares, cette personne est portée disparue depuis plusieurs heures jour. Marius Rotares. Attends, je vais l'appeler, j'ai son numéro. Qu'est-ce qu'il y a, Marius? Bah, j'ai un avis de recherche pour Marius Rotares, mais il se trouve que j'ai son numéro, je l'appelle. Il est porté disparu, Marius, mais c'est qui? Rotares. Rotares. T'as son numéro? Oui, j'ai son numéro, oui. Attention, gros, parce que moi, tu sais que ça me donne envie de gerber dès que tu pars en cacahuète comme ça. J'ai le mal de transport, ça me détruit, gros. T'inquiète. Tout va bien. Ah, t'inquiète, tout va bien. Regarde. Le retour sur la route est phénoménal. Excuse-moi de te le dire, mais ça me fait bader. Je tiens à dire que Marius Rotares ne répond pas.
Ceinture, hein. Ceinture, bien sûr. Attention, gros, vraiment, je vais t'en lâcher une. Non, t'inquiète, t'inquiète. Vais... Regarde, on était passé par là, c'était en souvenir. C'est un souvenir, un souvenir. C'est juste pour nous rappeler le bon vieux temps. Oh, Fab. Enfin, tu nettoies ma voiture. Laisse-moi sortir. Non. Vas-y. Vas-y, mette là. Vas-y. Ceinture. Oh là là. Oh, c'est terrible. Rire de droite. Et Marius Rotaras qui ne répond absolument pas, quoi. Hein. Ça me dégoûte. Ok. C'est bon ? Gros, tu me détruis l'estomac. À chaque fois, tu me détruis l'estomac. Oh, mais c'est bon. Les petits corps fragiles. Corps fragiles, gros. Tu as vu la conduite ? Fais gaffe au dépassement. Mais oh, regarde ! Oh. On est bon. On est bon. On est bon. On est bon. Regarde. Tout se passe comme sur des roulettes. Regarde. Tout va bien. Doucement, 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 doucement. Bien sûr, bien sûr. Ne t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. En vrai, ça me détruit. Ça me... Ah, putain. Donatien sait porter ton corps jusqu'au 7e ciel grâce à son véhicule. Gros, le 7e ciel, c'est quand on parle de cul, gros. C'est pas quand... Bah justement, ma conduite est tellement bonne. Attends. Toi, tu préfères une conduite propre sur une bagnole sport ? Ou tu préfères genre une belle femme ? Je suis plutôt un amateur de belles voitures. Ok. Donc t'es plus mécanophile que... Complètement. Ok. Complètement. J'ai déjà mis ma bite dans un pot d'échappement par exemple. T'es sérieux gros ? C'est ce qu'on fait dans le Médoc. T'es sérieux gros ? Mais ça ne m'est arrivé qu'une seule fois. T'es sérieux gros ? Tu as fait l'amour véritablement jusqu'à éjaculation à une bagnole ? Complètement. Ce n'est pas quelque chose que je referais, en tout cas. Tu es sérieux, gros ? Oui. Tu es immonde, surtout, ouais. Tu es dégueulasse, ouais. Oh, ça va. Ah, vas-y, me regarde pas avec le sourire comme ça, c'est hyper gênant, gros. Allez. Il sodomise des bagnoles ? Non, je l'ai fait qu'une seule fois. Eh, mais attendez, il y a des nouvelles voitures, ici. On n'a pas intérêt à nous avoir pris notre exploitation, hein. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Attends, mais... Alors ? Ouvrir votre garage. Je m'en fous, ça. Alors, où est-ce qu'il faut aller ? Ah. Ah, mais on peut ouvrir le frigo. Et on peut y déposer... Ah, d'accord, ok. Très bien. Et ici, qu'est-ce qui se passe ? Crafter quelque chose. Je n'ai pas accès à l'entreprise pour effectuer cette action. Comment faire pour avoir accès à l'entreprise ? Que dois-je faire ? Comment puis-je faire pour avoir accès à l'entreprise ? Get là-haut. Oui ? Tu vois quoi ? Oh ! Mais... What ? Trop bizarre. Pourquoi notre sanglier est-il sur le toit ? Mais je sais pas ce qu'il a foutu. Il est piquant au pillon ou il est mort ? Oh, c'est pas vrai. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. Pour voir si ça te réveille ou quoi. C'est peut-être Los Vagos Locos qui nous... veulent nous donner un message. Oui. Bonjour ? Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Oh. Bonjour. Oh, damn it. Fabien ? On a un petit problème. Holy shit. Il s'est fait ça tout seul.
Mais gros, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Monsieur, pourquoi vous pleurez derrière des tonneaux? Ils volent pas le vélo. Arrête, Donna. Non, mais je lui remets juste bien, quoi. Aucun mal. Monsieur, ça va? Je ne suis pas armé, je n'ai rien du tout. Aucun mal. Attends, mais je ne comprends pas quelque chose. Pour crafter, il faut que j'ai... Vous n'avez pas l'accès à l'entreprise pour effectuer cette action, mais pourquoi? L'accès à l'entreprise, mais comment? Comment? Quel muscle dois-je utiliser? Ah, ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Ah. Ouh, intéressant. Fab ? Il est où ? Où est Fab ? Fab ? Ah, je ne suis pas patron. Excusez-moi, mais comment, quel muscle dois-je utiliser pour devenir patron? Oh non, c'est pas vrai. Je viens de voir quel muscle je dois utiliser pour ça. Il faut que j'appelle Fabien. Oui frérot, je te vois. Ah, alors. Oui. J'ai une nouvelle assez moyenne. Nous ne sommes qu'employés, nous ne sommes pas patrons de l'exploitation. Pour devenir patron, il faut que j'aille à la mairie. Tu te fous de ma gueule, gros. Attends, tu te fous de ma gueule, gros. Non, je ne me fous pas de ta gueule. Attends, tu m'as fait traverser le monde pour me dire que j'étais employé d'une collectivité viticole comme ça et que tu... Mais regarde, nos sangliers ne sont-ils pas magnifiques? Bah, la réalité des choses, gros, c'est que je me sens pas si bien. Enfin, c'est chelou, tu vois. Bah! Écoute, tu ne veux pas que j'y aille? Si, je te suis, si, c'est juste que. Excuse-moi, je suis un peu concerté par les événements, c'est bon. Mais bien sûr, je comprends, je m'en excuse, bien sûr! Tu n'as absolument aucun problème, mais là, si tu veux, si on fait un peu l'état actuel des choses, on est coincé dans un domaine viticole qui ne nous appartient pas, que tu as acheté mais tu es employé. Avec des sangliers qui se baladent dans le jardin sans aucune raison et des cyclistes qui s'entraînent pour leur Tour de France dans le jardin, quoi. Donc, si tu veux, on est dans une situation qui m'a l'air un petit peu particulière, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Je comprends. Mais je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle se trouve, la mairie. Quel muscle? Alors... On a la même application sur notre... Mon cerveau me dit ça serait soi-disant admin, mais sauf que je ne le vois pas. Écoute-moi, je cherche sur l'application, mais... Ah, mais il faut contacter... Ah oui, d'accord. Ah, mais attends. Mais comment... Il faudrait contacter un des employés de mairie. En fait, il faut contacter un des employés de mairie. On y va tout simplement. Moi, si tu sais où est la mairie... Mais non, et en fait, il faut contacter un employé de mairie. D'accord, est-ce qu'on... Ah, mais gros, j'ai aucun numéro. On peut pas... Au pire, on va chez les flics, hein. Quoique j'ai... Ah, j'en fais pas confiance, moi. Ah, j'en ai... Est-ce que j'ai... Ah, peut-être, attends. Si j'ai peut-être un contact qui pourrait m'aider, attends. Lequel est-ce, déjà? Je crois que c'est Earl Bailey. Je crois que c'est Earl. Je vais essayer d'appeler Earl. Vas-y. Earl Bailey, where's the news, j'écoute. Vas-y. Oui, bonjour, c'est Donatien. Oui, oui, je vous écoute, oui. Bonjour, Donatien, j'ai... non, c'est moi, Donatien, je suis Donatien, pardon, excusez-moi. Oui. Je suis sur mon exploitation viticole, qui n'est pas encore la mienne. En fait, j'ai récupéré le job de viticole à Pôle emploi, et mais que dois-je faire pour devenir le patron, en fait?
Ah oui, c'est une bonne question, ça. Vous ne savez pas, Earl? Non, je ne sais pas comme ça, mais je peux me renseigner. Ah. Voilà, je me renseigne, vous inquiétez pas. Vous me rappelez? Oui, je vous rappelle. Merci beaucoup. Ok, mon contact va me rappeler. Y'a pas de problème. Y'a aucun souci, moi. C'était peut-être pas Earl que je devais appeler. C'était peut-être Roy Max. Petit burger. Tu te souviens de Roy Max? Qui était Roy Max? De mémoire, c'était en gros... Attends. Oui, Roy Max, on l'a croisé devant l'aéroport quand je suis arrivé. Et en gros... Ah oui, lui, je me souviens de lui. Bah, en gros, il y a moyen quand même de lui prendre des thunes, tu vois ce que je veux dire. Mais oui, mais sauf que si nous ne possédons pas l'exploitation... Comment veux-tu? Je veux dire que là, aujourd'hui, on n'a rien à vendre à personne. En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est regarde sur ton GPS et regarde autour de nous, tous ces petits points rouges. Exact. Il faudrait peut-être qu'on aille travailler là-bas et voir ce que nous pouvons faire. Qu'en penses-tu? Ouais, tu penses, non, mais je réfléchis, parce que, le but, après, c'est des récoltes d'autres choses, tu vois. Genre, moi, je voulais vraiment qu'on vende notre vinasse comme... C'était le projet de base, quoi. Bah, bien sûr, mais il faut bien commencer par quelque chose. Bien sûr. Mais je pensais vraiment qu'on allait commencer par vendre de la vinasse, quoi. C'est ça que j'essaye. Bien sûr. Je comprends. Attendez. À la base, je... Moi, c'est... Si tu veux, moi, tu m'as dit... Oh, pardon! Oh, merde! Je voulais juste recliquer sur mon écran car j'étais ailleurs en train d'écrire quelque chose et je... Merde. Fabien? Pardon. Excuse-moi, Fabien. Je suis désolé. Donatien de Montazac s'excuse. Ça va. Bien. Moi, détruire. Pardon, excuse-moi. Rondons-nous sur un des points rouges autour de nous, veux-tu? Histoire de voir ce que ça donne. Allons-y. Par contre, je passerai bien au magasin. Aïe. Oh non, je crois qu'il faut que t'ailles à l'hôpital. Je t'ai donné le coup de trop, je crois. Je me suis détruit la cheville, gros. Je peux plus... Attends. Non. Je me suis détruit la cheville, gros. Ah non, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment navré. Tout va bien? André, j'arrive un peu à marcher, tu vois, mais... Tu veux appeler une ambulance? Tu veux qu'on appelle une ambulance? Non, vas-y, c'est bon. Tu es sûr? Je te dis si jamais. Ok. Rire de droite. Tout va bien alors? Non, en vrai. Tu veux qu'on appelle une ambulance? Non, en vrai, non. On y va à pied là où nous allons. Pourquoi tu ne veux pas que j'appelle d'ambulance? Tu es trop fier? C'est pas Amino. Tu es trop fier. Je crois vraiment que c'est ça. Attends, allons par ici. Ah mais attends, apparemment il nous faudrait des camions. Oh là là, excusez-moi, je ne comprends plus rien à ce qu'il faut faire. Vas-y, je pense que en vrai j'ai trop mal. En vrai, j'ai trop mal. Je pensais que ça allait être ok, mais en vrai, j'ai trop mal. Tu veux que j'appelle une ambulance? Je veux bien que t'appelles une ambulance. Pendant ce temps, j'envoie juste un message à Henriette. Vas-y. Attends, je vais juste voir les caméras. Attends, je vais. Je m'entends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Monte! Ah, j'arrive.
monte à l'intérieur. Tu nous as pris le castello d'intero. Complètement. Ah mais non, mais en fait, si tu montes avec moi, tu ne vas pas pouvoir... ils vont arriver ici, en fait, l'ambulance. Merde. Attends. On va les attendre ici. Faut attendre l'ambulance. Mon sanglier. Oh non. Oh, je vais essayer de le rappeler. Oh, Antoine Croot. Rire de droite. Oh. Mais enfin, on ne raccroche pas au nez de Nonassien de Montazac. Mais qu'est-ce qu'il fait? Fab, qu'est-ce que tu fais? J'ai envoyé un message à Henriette, au fond. Il y a Antoine qui a essayé de m'appeler, mais je n'ai pas pu répondre. J'ai pas son numéro. J'ai pas son numéro, mais la réalité, c'est que là, il faudrait vraiment que j'aille chez l'hôpital. Oh, dis-toi que... Oui, oui. Tu les as appelés? Je les ai appelés. Normalement, ils devraient arriver à un moment. Je ne sais quand. Par contre, quand je suis allé à l'hôpital tout à l'heure, devine qui j'ai croisé. Daniel sur un brancard. J'ai l'impression que tu... Oh, voici, voici. Là, derrière. L'hélicoptère, c'est pour toi. Chaplain hélico ? Oui ! Donatien de Montazac ne fait rien à moitié ! Ça va nous coûter, gros ! Non, 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 c'est pris en charge, ne t'inquiète pas. Oh, là. Messieurs, bonsoir ! Donnez-lui une bonsoir. Messieurs, une retrousse médicale pour le soigner, cher. C'est mon collègue, celui avec le short. Bonsoir, on ira bien. À toute façon. Bonsoir. Dites-moi, cher ami, quand vous nous avez. Et en gros, on était en train de discuter avec le collègue Donna, on était dans... Earl. Earl Bailey, Oui, c'est Donatien de Montazac, oui, bien sûr. Je me suis renseigné. Oui. Apparemment, vous avez signé les papiers, non? Mais pas encore exactement, en fait. Oui, mais c'est bon, vous inquiétez pas. Mon sanglier. Oui, allez-y, c'est votre domaine, c'est bon. Vous pouvez abattre n'importe quelle personne qui s'y passe, vous n'aurez pas de problème avec la police. Je mets ma parole de journaliste en jeu. Très bien, merci Earl Bailey. À bientôt. Je pense qu'il m'a mytho. Ils sont pas au courant, docteur Maison. Oh mon dieu, il y en a un autre, bougez pas. Non. Qu'est-ce qui se passe? Où ça, docteur? Mais ne tuez pas les sangliers! Y'en a sur toi. Ne tuez pas les sangliers! Laissez nos sangliers! Non! C'est la fierté de notre exploitation! Juste soignez-moi, tu pas les animaux! Vous connaissez pas la malédiction du sanglier? Non, laissez nos sangliers! La malédiction du sanglier? Mais non, mais on ne croit pas en toutes ces foutaises! En 1963... Nous sommes des cartésiens, monsieur! En 1963, des sangliers ont détruit le domaine viticole, monsieur. Ah bon? Mais là, pourtant, ils ont l'air complètement... Mais non! Oh! Hier soir, on les a croisés, on marchait avec eux, limite. C'était les collègues. Mais c'était nos collègues! Merde! Ils reviennent en masse, messieurs. Ils vont vous détruire et ils vont vous prendre tous vos biens, messieurs. Oh, soignez mon collègue et barrez-vous d'ici, là. On veut pas que vous tuiez nos sangliers, quoi! Moi, je comprends pas. En vrai, je comprends pas pourquoi vous les avez tués. Parce mais que oui! Depuis le début, nous, monsieur. Depuis le début, ils ont toujours été sympathiques avec nous. Toujours le sourire! Toujours bonjour, toujours merci! Appelez Madame Pastard et Monsieur Pastard. Vous leur dites que Monsieur Docteur Maison et parlez-leur du domaine viticole. Ils vous raconteront l'histoire des sangliers, d'accord? Pastard, vous m'avez dit? Vous avez le Madame numéro? Madame Pastard. 00-0328. Attendez. Donc 555. Attendez un instant. Pastard, vous m'avez dit? Pastard. Madame Pastard. C'est ça. 555. T'es sûr? 00. T'es sûr? 38. Rire de droite. 27. T'es sûr? 53. T'es sûr? Voilà. Allez, tenez. Par contre, t'es sûr? Je vous donne un médicament. Oui. Et vous devez dire la lettre B. Vous foutez de ma gueule? Non. Il est bizarre.
Allez-y. Guide B. Rire de droite. Oh, vous êtes guéri. Mais non. Et si, ah ouais, putain, je me sens tellement bien. Et voilà. Incroyable. C'est quoi le secret? C'est l'acupuncture ou quoi là? Écoutez, c'est. C'est toujours quelques méthodes peu orthodoxes. Mais elles fonctionnent. Attends, mais c'est un truc de fou là. Attends, attends, juste, attends. Ah, apparemment, je suis patron. Attends. Cache-toi, 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 cache-toi. Non. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Viens avec moi à l'intérieur. Viens avec moi à l'intérieur. Viens, viens, viens. Non. Rire de droite. À l'intérieur. Ils vont te tuer. Viens. Viens par ici. Ah, terrible. Mais non, apparemment, je suis pas patron. C'est n'importe quoi. Je ne suis pas patron. Et non. Et surtout, la mairie vient de me dire que ce n'était pas possible pour ce soir de faire ça. De devenir patron ce soir. Fabien, es-tu soigné? Ok, pas ce soir. Oui, ça va beaucoup mieux, mais je demandais aux collègues, déjà merci infiniment de m'avoir sauvé, et je demandais simplement si on pouvait faire un tour d'hélico, parce que j'avoue, j'avais fait d'hélico... Ah, et oui, est-ce qu'il y aurait moyen, effectivement, ça m'intéresse beaucoup. Alors, c'est moi ou je viens de voir ce que je viens de voir sur le répondeur, là? Ok, alors... Oui. Lequel? Oui, il a fait 40 appels, oui. Ah, vous, okay. Vous avez des problèmes? Oh, je vais taper quelqu'un, ne vous inquiétez pas. C'est le rush, justement. Voilà. Excusez-moi. Donc, pas ce soir, mais à l'occasion, peut-être. Oui. À l'occasion, ce sera un grand plaisir, messieurs. Ok, et si, bah écoutez... Et si madame Pastard ne vous répond pas, je vous ai raconté sur les sangliers. Mon dieu, ne bougez pas! Non! Non! C'est bon, je l'ai. Mon sanglier! Mais c'est pas vrai! Il semble que nous devons y aller, docteur Mendes. C'est un cauchemar! Un cauchemar! Madame. C'est un cauchemar! Un cauchemar, Thomas! Oh, alors, relève-toi! Relève-toi! Ah. Un cauchemar! Oh non, c'est pas vrai, quoi. Bon, Fab, j'ai eu la mairie. Apparemment, on peut juste travailler ici. Oh! Henriette! 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 Bienvenue à l'exploitation Montazac Torres! Expliquez-moi pourquoi il y a un porc sur votre. Des sangliers, il y en a. Ce sont des sangliers, ne vous inquiétez pas! Juste derrière vous, il y a un sanglier vivant énorme. Oh, il est magnifique! N'est-ce pas? Il nous protège de toutes les mauvaises zones, des gens de manière générale, sauf qu'en fait, les infirmiers et tout, il les tue. Oui, il faut pas appeler les infirmiers sur le terrain. C'est bien, d'accord, je comprends. Je comprends, je comprends. Écoutez, je faisais une petite escale, comme ça. Savoir si potentiellement, je pourrais avoir des informations sur ce mets délicieux qui est votre vin. Mais du coup, les sangliers, t'en as rien à foutre, quoi. Okay. Non, attends, parle pas comme ça à nos clients, Fab. Moi, personnellement, c'est dans la daube. Ah, bon, vous en avez bien rien à foutre, effectivement. Non, mais elle vient pour le vin. Bien sûr, non, mais c'est simplement... Sauf que, hélas, je crois qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas récolté grand-chose en termes de vin. Je ne suis pas sûr. Il faut que j'aille voir. Attendez, je reviens. Qu'est-ce que c'est? Merde. Oh, Donatien, qu'est-ce que tu vas faire? T'as ta première cliente et t'as pas de vin? Je vais lui donner un menu arc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais en prendre un. Mais c'était pas du vin? Oh non. Henriette! Je n'ai pas de coût de chair, comme je disais. Henriette! Je comprends pas. Henriette. Ma très chère Henriette, goûtez-moi ce menu arc de notre exploitation. Attendez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous en dites? Le premier est gratuit. Le premier est gratuit. Très bien sûr, bien sûr. Bien le goûter de ce pas. Laissez-moi, eh bien... Fabien? Le chercher. Fabien? Fabien? Attendez, Fabien? Petit souci de... Fabien, debout? Fabien? Il faut peut-être de la drogue. Non, écoutez, Henriette, tout ne se résout pas par ça. Fabien?
Oui, alors je sais que ce n'est pas du vin, mais voilà. Fabien ? Mais qu'est-ce qui s'est passé, Fabien ? Tourner de l'œil, gros. Tourner de l'œil devant le sang, gros, ça me détruit. Ça me je suis désolé, je suis allé le voir, je voulais juste voir comment il était. Je tournais de l'œil, gros. Ah là là. Un couteau, on peut le dépecer. Oui, mais... Non. On le respecte. On le respecte trop. Je pense que je vais commencer à aller exploiter le vin, mon cher Fabien. Parce que là, en vrai... Oui, j'étais venu pour du vin, je me retrouve avec un burger. Oui, je sais, mais c'est que nous venons d'ouvrir, en fait. Et en fait, il se trouve que j'ai 1000 burgers dans mon réfrigérateur, et c'est tout. En vrai, j'arrive pas à regarder ce sanglier mort. Tu veux de la drogue ? Oh, Henriette ! J'ai de l'extra. T'as de l'extra ? Non, mais non. Bah... Écoutez, il s'avère que par erreur, j'en ai consommé. Je peux vous dire que le monde... vous le voyez, tout en couleur. Bah oui, oui, oui. Et le sanglier, il marchera. Je vois. En vrai, je pense que prendre de l'extra là maintenant, je vois pas trop l'utilité. Rire de droite. On est sur les terres viticoles, on a encore rien vendu, on n'a pas de clicasse, on se fait tuer les sangliers. Derrière, il est vivant. Oh. Est-ce que si je le... Non, doucement, Henriette. Doucement, Henriette. Doucement, Henriette. Fab. Dis-moi. Vous nous la donnez ou vous nous la vendez ? Pourquoi ? Vous voulez me dénoncer ? Pas du tout ! Écoutez, je sens ce petit air hésitant. Non, pas du tout. Ce n'est pas notre genre. Vous savez, nous, on aime la loi, mais malgré tout, on aime encore plus nos clients. C'est vrai. Écoutez, si peut-être l'extra peut être échangé contre quelques... menus ? Ah, c'est fort possible, oui. Attends, Henriette, tu veux des menus, des burgers ? Écoutez, on a plein de burgers, mon cher Fabien. Oui, mais... Je sens que vous êtes très louche, il faut que j'y aille. Quoi ? Henriette ! Henriette ! Merde, mon téléphone. Henriette ! Henriette, il faut que j'y aille. Non, Henriette ! Henriette, qu'est-ce qu'elle fout ? Henriette, écoutez-moi bien, Henriette. Henriette, écoutez-moi. Pourquoi vous nous trouvez bizarre, Henriette ? Vous avez appelé les flics ! Non ! Je vous promets, n'écrasez pas mon collègue. Écoutez, je ne sais pas, c'est louche. Écoutez, donnez-moi votre extra et on n'en parle plus. Henriette. Écoutez, Vous ne me donnez pas très... énormément la confiance. Quoi. Écoutez, Henriette ! Donnez-moi votre extra et on n'en parle plus. Et je vous donne un menu burger, gratuitement. Contre l'extra, mais ça coûte bien plus cher, mon petit. Attends, j'essaye vraiment de vendre un burger contre un extra, mais non, je suis mort. Bah écoute, ça coûte combien... Descendez de cette voiture ! Vous allez partir, Henriette ! Bien sûr. Non, Henriette ! Henriette ! Avec l'âge que tu as, connasse ! Putain ! Avec ta bagnole de merde ! Je vais le dire aux journalistes. Connasse ! Attends, je vais appeler les journalistes et je vais leur dire. Attends, tu vas voir ce qu'elle... Elle va voir ce qu'elle va voir, Henriette ! Attends. Weasel News. Je t'arme. Scoop. Henriette de la Croix n'est pas la sage vieille dame. Attends, pourquoi il y a... Attends, il y a les journalistes, là ? Quoi ? Attends. Oula. Qu'est-ce que c'est ? Mais j'étais en train de vous appeler, Weasel News ! Écoutez, Weasel News, promets sur la porte ! Qu'est-ce que vous foutez, là ? Mais c'est Earl ! Monsieur ? Voilà. Earl ! Oui, bien le bonjour, comment allez-vous ? Ça va bien, bonjour Earl. Écoutez, j'ai un scoop pour vous, j'étais pile en train de vous écrire au moment où vous arriviez, c'est incroyable ! Un vrai scoop, écoutez-moi bien. Un scoop qui tâche. Qu'est-ce que je fous là ? Oui. Non mais Donna, je comprends plus rien, qu'est-ce que je fous là ? Attends, écoute, je leur donne le scoop. Et est-ce que les scoops, vous les prenez gratuitement ou vous les payez ? Ah bah écoutez, si c'est un gros scoop, ça peut partir sur une rémunération, oui, on peut discuter comme ça, bien sûr. Qu'est-ce que ça concerne quoi, la police ? Ça concerne une vieille dame appelée Henriette de la Croix. Henriette de la Croix, oui, je note. Henriette de la Croix, vieille dame tout à fait respectable, n'est-ce pas ? Oui.
Oui, bien sûr. Eh bien, pas tellement respectable, figurez-vous. Elle vend de l'ecstasy. Elle fait la tournée des maisons pour vendre de l'ecstasy. C'est pas vrai. Mais attends, oui, enfin bon. Oui, c'est pas vrai. De l'ecstasy. De l'ecstasy. Ok, bon. De l'AMD. D'accord. Ah oui, d'accord, d'accord, ok, c'est fou le poucave. Okay. Oh, t'es bien placé pour dire ça, Fab. Les mecs sur le parking tout à l'heure, on les a bien baisés. Vous en avez vendu, monsieur ? Vous en avez vendu ? Non, non, justement, on a refusé car nous ne mangeons pas de ce pain-là. Oui, bien sûr, mais je comprends. Vous avez raison, vous avez raison. Vous avez son numéro, cette demoiselle ? Bien sûr. Ah bah écoutez, je veux bien son numéro de téléphone. Je vais essayer. Alors, faut pas. Ne lui dites pas que c'est moi qui vous l'ai donné. Non, non, non. Weather News protège toujours ses sources. Bien sûr. Alors, évidemment, c'est le 555. Oui, attendez. 555, oui. 22. Oui, 22. 58. 22-58. Écoutez, je note ça de suite. Et je vais commencer. Je vais aller voir si j'ai un contact à l'entreprise au téléphone. Et peut-être que je peux. Ah, j'aimerais beaucoup voir un bandeau avec ce nom-là, mais je ne sais pas si c'est possible, quoi. J'ai vu des bandeaux de chez vous tout à l'heure. Ça m'a beaucoup plu. Oui, alors attendez. Alors attendez, du coup, je vous ai donné quand même un sacré scoop. Est-ce que je pourrais avoir une petite rémunération en échange, bien sûr ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Attendez, bougez pas, j'ai ça dans la cabinette. Bien sûr, bien sûr. Attention, Fabien. Hop là, hop là, attention. Attention le 5 billets juste. Attends mais Dona, tu as appelé quand les news là pour... Mais en fait je les ai pas appelés, j'allais les... Oh merci. Ça reste entre nous, hein. Bien sûr. Ça reste entre nous. Évidemment. Ok. C'est quoi ? Non, mais moi je suis pas trop d'accord en oui, fait, alors, j'ai rien compris. Les news. Oui, j'arrive. Ne quittez pas. Dona. Je t'explique. Dona. Rire oui. Pourquoi tu as appelé déjà ? Alors, je t'explique, je voulais le faire, mais il est arrivé au moment où j'étais en train de le faire, donc c'est une coïncidence. Et je lui ai donné l'information, et contre ça, il m'a donné 1000 balles. 1000 balles ? 1000 balles. Tu as combien sur toi ? Alors, quel muscle ? Quel muscle ? Ah, 8424. Ok, j'ai 7400. En vrai, à nous deux, on a plus de 15 000 balles. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait, Fab ? Je sais pas, gros. Est-ce que tu veux qu'on aille commencer à exploiter le vin ou est-ce que tu veux qu'on aille faire des choses en ville ? Moi, je vais manger un hamburger ! Vas-y, j'ai faim. Vas-y, vas-y. Faudrait peut-être qu'on s'achète une caisse ? Faudrait peut-être qu'on taffe un jour. Hein ? Faudrait peut-être qu'on taffe aussi un jour. Tu veux qu'on taffe ? On peut taffe ? Ouais, c'est-à-dire que il y a un moment, on n'a toujours pas vendu une seule. Mais parce qu'on n'est pas exploitant. Oui, on n'est pas exploitant, mais gros. Oh, les menus, ils donnent. Oh, on mourra jamais de faim, Fabien. Ah, mais de toute façon, j'ai vu que tu avais une quantité de bouffe de dingue. Ah, mais c'est. Oui, j'ai vu. Plus que de raison, j'ai envie de te dire. T'inquiète pas, qu'on va pas mourir de faim bientôt, quoi. Oh oui. Oh! Qu'est-ce que c'est? Jonah? Attends. Oh! De l'eau ou pas? Attends, mais je suis habillé en employé! Ah, mais c'est pour aller exploiter le vin! Mais tu as gardé le chapeau, bien sûr! Oui, bien sûr! T'as pas besoin de l'eau si tu manges le menu! Dedans, tu as de quoi te ressourcer! Ah oui, dans le menu entier, ouais! Donation de Montazac, bien sûr! Juste, moi, faut que je passe au magasin. En vrai, faut que... Ah, mais... Ouh là là. Ouh, tu es bien beau. Et ben voilà. Bah, viens, on regarde sur notre map et on va aux endroits où il y a écrit RP. Allons, celui à notre nord. Tu veux bien ? Sur le GPS, ouais, il y a pas mal de trucs, mais simplement... Oui ? Bah là, c'est juste la nuit, quoi. Donc, il est 1h30 du mat... Ah, mais on ne s'arrête pas de travailler. Vas-y. Tu voulais aller cluber ? En vrai, tu déconnes, mais je serais grave au chaud de me détruire le crâne en dansant sur une piste, tu vois. Allez, on va faire ça. Où est-ce qu'il y a le club ? Vas-y, check le club. Je cherche le club. Mais ça te dit pas ? Parce que là, en fait, le truc, c'est que là, quand même, sur ces exploitations... Viens, on va bosser demain matin. Ok. Parce que...
Et juste, on va en ville. Moi, j'ai pas visité la ville, gros. Je suis arrivé. Ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai encore rien vu du tout. Je suis un peu curieux de découvrir, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Je cherche. Je ne sais pas où est-ce que c'est. Attends, je cherche. Oh, attends. Vu qu'on s'est fait des thunes, parce que toi, t'as Pouka et que moi, j'ai vendu de la Zub, là. Oui. Je sais pas qu'on aille au casino, voir combien on peut se les mettre. Il y a un casino ? Ah, j'en sais rien, gros, mais j'espère. Attends, je suis pas allé aux États-Unis pour que. Ah, je vois pas de casino ! T'es pas sérieux ? Par contre, on peut aller au Paradise, qui est une boîte de nuit. Tu peux nous y conduire facilement ?